Vous êtes sur une sorte de palier. Vous n'entendez aucun bruit, mis à part le crépitement de torches non loin de vous. Sur la face intérieure de la porte que vous venez de franchir, gravé dans le bois, vous voyez un symbole. Le symbole de l'église de la Sagesse Étoilée. Ce fameux triangle entouré d'un cercle. L'endroit est envahi de toiles d'araignée, de poussière. Une odeur de renfermé remplit instantanément vos narines. Cet endroit n'est pas sans rappeler certains mauvais souvenirs à Morgane. C'est comme si ce lieu était complètement abandonné. Toutefois, les multiples empreintes de pas nettement visibles au sol devant vous vous prouvent qu'il n'en est rien. Que faites-vous ? Je pense que je vais faire le tour de la pièce, voir ce qu'il y a, et le tour en marchant. De toute façon, ça s'arrête aux marches là. Oui. Il y a des murs. Tu as deux alcôves, une sur la droite, une sur la gauche, et puis des escaliers devant toi qui descendent. Ok. Alors, moi, je fais le tour déjà de la pièce où on est. Ok, Carl. Je pense que je vais également faire le tour un petit peu de l'endroit, commencer à repérer, aller voir par là, par exemple, ce qu'il y a un peu. D'accord. Morgane? Moi, je me recule contre le mur qui est à droite du coup de l'entrée. Et je me proscris dans mes genoux, mais je suis tétanisé en reconnaissant les lieux. Très bien. Morgane et Annabelle, je vous laisse aller sur la droite. Carl et Annabelle. Sur l'alcôve où vous vous trouvez, il y a juste une espèce de table avec une bougie qui est allumée dessus. Tout ce qu'il y a, il n'y a pas de meubles, il n'y a rien du tout, c'est juste de la pierre. Après, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous voyez des traces de pas qui sont au sol et qui sont visiblement qui vont dans ces directions-là du sol. Ok. Morgane, t'es collé contre le mur, tu sens effectivement une grosse bouffée d'adrénaline qui te monte. T'as un vrai coup qui te revient en pleine tête et qui te donne l'impression d'avoir un mauvais pressentiment, quoi, clairement. Tu restes ici ou tu vas fouiller sur le côté à côté ? Je prends une grande inspiration et je commence à me diriger vers l'escalier avec un pas un peu pressé. Ok. Les autres? Alors, en voyant Morgane se diriger vers l'escalier, on va se... Enfin, moi je vais me diriger vers l'escalier aussi. Ok. Carl? Je vais suivre Annabelle. J'ai Annabelle aussi. Parfait. Vous avancez tous les trois. Vous arrivez au niveau de l'escalier. Annabelle, tu es rentrée dans cet endroit caverneux et tout de suite, il y a une odeur qui te frappe. Une odeur un petit peu différente de celle que tu as sentie depuis tout à l'heure, un parfum. Ce parfum, tu le reconnais entre mille. C'est celui de Brady. Il est presque imperceptible, mais tu le sens dans l'air. Et puis en même temps, dans ta tête, tu entends sa voix. Annabelle, toi ma chérie, te voilà, aide-moi. Les autres ne l'entendent pas, il n'y a que toi qui l'entends. Vous commencez à descendre les marches et vous voyez qu'elles amènent à une forme de palier. Je vous laisse descendre. Moi je continue à tracer hein, et je m'arrête devant le symbole qui est au sol. Voilà, sur le au niveau du palib, vous voyez dessiné au sol le symbole de l'église de la Sagesse Étoilée. Il y a deux escaliers qui partent sur les côtés, un à droite et un à gauche. Devant vous se trouve un pupitre, avec dessus un livre ouvert. Au pied du pupitre se trouvent des jarres qui sont fermées. Et à gauche du pupitre, vous voyez un bâton de bois aux extrémités ferrées qui est posé contre la rambarde. Alors moi, en arrivant en bas des marches, j'arrête mes deux camarades et je leur demande s'ils entendent les voix que je perçois depuis qu'on a passé les portes. Non, rien d'anormal. Moi je reste cloîtré dans le silence. Donc vous êtes sur ce palier, avec ce symbole au sol, et donc je vous écris ce qu'il y avait devant vous. Que faites-vous? Vous n'entendez toujours rien pour l'instant. Je regarde vers la droite et je trace. Ah là c'est la gauche pour le coup, c'est ta gauche. Oui, bah, la droite de la carte. D'accord. Et ça explique des choses que tu tires. Et je m'arrête en bas des escaliers. Descendre les escaliers en courant et arriver en bas. Qu'est-ce que vous faites? Moi, tu fais quoi? Moi je suis attiré par le symbole et par le livre, donc je me rapproche du symbole et du livre et je m'occupe absolument pas de ce que fait Morgane. Bien, et Annabelle, tu m'as dit tu te rapprochais du livre, c'est ça? Ouais, je suis allé voir le livre. Ok. Annabelle, tu t'approches du livre, tu vois que ce livre est ouvert et les pages sont faites d'espèces de parchemins, d'un espèce de vieux papyrus. Et ce que tu vois sur le livre, ce sont des empreintes de doigts. Des empreintes de doigts ensanglantées. Comme si des gens s'étaient un peu coupé la main, avaient posé leurs mains dessus. Tu vois, des traces de mains ensanglantées, des traces de doigts. Tu en vois, tu tournes un peu les pages et plein de pages différentes. Les vois, elles sont avec ces traces. Il y en a 10, 20, 30, 50. Et tu vois que c'est frais. Certaines traces dégoulinent encore. Mais il n'y a rien d'écrit. Non, il n'y a rien d'écrit. Il y a juste ça. Juste ça. Et donc juste là où tu te trouves, juste à côté de toi, devant toi, il y a un bâton en bois au bout ferré qui a posé à côté. Carl, tu es au-dessus du symbole tracé au sol. Devant toi, donc il y a les jarres et il y a le livre également. Je vois de là où je suis les empreintes de doigts. Oui, c'est très visible. Oui, tout à fait. Tu les vois aussi. Oui. Je me rapproche du livre et je commence à regarder de plus près. Est-ce qu'il y a quelque chose qui me saute aux yeux, qui m'interpelle? Tu vas me faire un jet de toc, s'il te plaît. Tu as 50%. « 35, c'est réussi. » Donc tu vois que les traces de sang sont récentes. Alors, de par ta profession, un petit peu plus de connaissances de ça, tu repères très facilement que ce ne sont pas les mêmes empreintes. C'est pas quelqu'un qui aurait eu une main ensanglantée, qui aurait tourné les pages, qui aurait mis sa main à plusieurs endroits. Tu vois très nettement que c'est différentes empreintes, différentes mains, différentes tailles, que c'est pas les mêmes. Voilà, comme si tu avais plusieurs personnes qui étaient passées et qui avaient mis des mains ensanglantées à cet endroit-là ou des traces de doigts ensanglantées à cet endroit-là. Ok. Est-ce qu'il y a des symboles qui m'évoquent quelque chose ou... Non, il n'y a que ça. Il n'y a que des traces ensanglantées, c'est tout. Il n'y a pas de dessin particulier, vraiment, c'est juste des marques. Et le bâton, il sert bien à s'entailler le doigt et à faire une marque ensanglantée? Oui, il a un bout qui est pointu, effectivement, et tu vois, au niveau du bout qui est pointu, il y a des traces de sang dessus, tout à fait. Tout à fait. Bah je sais pas pourquoi, mais je prends le bâton, je m'entaille le doigt et je mets une empreinte sur les deux. Très bien. Tu vas me faire un jet de constitution, s'il te plaît. Tu as 40%. 7, c'est réussi. Tu Tu fais une petite entaille au doigt, tu si ça bien, tu fais une empreinte sur le livre, rien ne se passe. Morgane, tu as descendu les marches 4 à 4. Et ensuite, tu as tourné sur la gauche. Tu arrives à un endroit où tu vois devant toi un bureau éclairé par une bougie qui est posée dessus. Sur ce bureau, il y a un livre qui est ouvert, un coffre qui est à côté, et puis derrière le bureau, il y a des étagères avec des livres dedans, une espèce de bibliothèque. Je cherche dans mes souvenirs à savoir s'il y a quelque chose de différent. Tu vas me faire un jet d'intelligence. 65%. 69, c'est raté. C'est confus. Tu as l'impression que c'est la même chose. T'en es pas sûr. Je me dirige vers le bureau et je regarde. Je regarde partout, je fouille, je feuillette le bouquin. Alors, donc le bureau dessus, donc il y a juste une bougie qui est posée dessus, qui est en train de brûler. Elle est assez consumée. Probablement assez longtemps qu'elle est allumée. Le livre qui est posé sur le bureau, tu regardes vite fait ce qui est dessus et très rapidement, tu te rends compte et ça t'est confirmé par le fait de regarder la page de garde. Tu te rends compte que c'est le livre de la vie de ta sœur, de la vie d'Alia, depuis qu'elle a été recrutée par l'Église de la Sagesse Étoilée. Il y est relaté sa rencontre avec le prêtre, comment elle a raconté ses maux de tête, comment elle a été contactée par quelqu'un de l'Église, comment elle a été récupérée, l'échange qu'elle a subi, tout ce qui s'est passé jusqu'au moment où elle a été amenée sur l'île, jusqu'au moment où tu l'as récupérée, et juste au moment où elle a été de nouveau enlevée. Il est écrit à la fin du livre, c'est la dernière ligne, à la fin du livre, en tout cas la dernière ligne, il est indiqué qu'Alia a été ramenée au temple. Les deux autres, que faites-vous? Annabelle ? Moi, je serais bien descendu de l'autre côté pour aller voir ce qu'il y avait dans l'autre. Descends les marches sur la droite, ok. Ouais. Et je tourne à droite. Très bien, Carl. Moi, je vais descendre côté Morgane, mais aller vers le bas, là, voir ce qu'il y a un peu de l'autre côté. Très bien. Descends les marches et donc tu tournes à droite, ok. Annabelle, tu descends donc les marches, tu tournes sur la droite et tu vois que tu te retrouves dans un endroit où il y a plusieurs tables en bois avec des bougies posées dessus qui se consument. Quelques chaises qui sont posées aux alentours. Au fond de toi, dans la pièce, par ici, il y a un coffre qui est sur le sol. Sur cette table-ci, il y a un parchemin qui est posé avec une plume, un encrier. Ici, il y a quelques jarres qui sont fermées, puis quelques meubles bas qui sont à droite et à gauche. Je vais aller voir s'il y a quelque chose d'écrit sur le parchemin. Sur le parchemin, d'accord. T'approches du parchemin. Donc sur le parchemin qui se trouve sur la table, il y a quelque chose d'écrit, qui a dû être écrit à l'encre avec la plume. Tu vois que l'écriture n'est pas une écriture, on va dire, belle, enlevée, quelqu'un qui se serait appliqué, mais plutôt une écriture forte, comme si quelqu'un avait vraiment appuyé fortement sur la plume, avait d'écrire avec rage quelque part. Et il est écrit, il y a des choses bien plus anciennes, bien plus ancestrales que le temps lui-même, j'ai leur bénédiction. Ok. Ben, je vais me diriger vers le petit coffre alors. Tu vas vers le coffre là-bas? Ouais. Okay. Ouais. Alors tu vois au coffre, il n'est pas fermé, hein, tu peux l'ouvrir très facilement. Dans le coffre, tu as du matériel d'écriture en fait, des flacons d'encre, des plumes, du papier, du parchemin, voilà, de la même forme que le parchemin que tu as lu il y a quelques secondes. Puis à côté, tu as des petites jarres qui sont là, des jarres qui sont recouvertes de espèce de peau, tu sais, comme les pots de confiture quelque part, voilà, qui sont un peu scellés, des jarres en argile. Les parchemins, il n'y a rien dessus. Non, ils sont vierges. C'est des rouleaux de parchemin vierges. Une espèce de réserve. Bon, du coup, je vais faire demi-tour et je vais retourner vers le fond de la pièce, enfin, vers l'autre côté. Morgane, tu viens de finir de lire, enfin, de regarder en tout cas le livre qui porte le nom de ta sœur. Que fais-tu? Je prends le livre, je le range dans ma veste. Il y a des tiroirs au niveau du bureau? Non, non, c'est juste une table. Ok, une espèce de table. Je regarde rapidement si le coffre peut être ouvert. Le coffre n'est pas fermé à clé, tout à fait. Du coup, j'ouvre le coffre. Le coffre est vide. Tu vois par contre qu'il y a des traces de sang récentes sur la serrure. Ok. Je fais demi-tour, du coup j'aperçois Carl et je commence à me diriger dans sa direction. Carl, tu as donc descendu les marches, tu as tourné à droite après et tu vois devant toi qu'il y a une porte. Qui est ici en fait. Ok. Du coup je vais m'approcher de la porte, mettre à peu près devant, mais elle est là, et écouter si j'entends du bruit, si je peux observer ce qui se passe. D'accord, moi j'ai d'écouter, tu as 50%. De la porte. « 67, c'est raté, tu n'entends rien. » Et je vois rien de particulier. Non, t'entends toujours, t'entends rien comme je te l'ai dit, et tu vois rien de particulier. Non, il y a juste encore des jarres sur ta droite qui sont fermées. Ok, du coup je tente d'ouvrir la porte. Elle n'est pas fermée, tu peux ouvrir la porte. J'ouvre la porte alors. Ok. La porte s'ouvre sur une pièce dans laquelle il y a 3 lits. Je te laisse rentrer. Annabelle et Morgane arrivent doucement derrière toi. Ils vont te rejoindre dans quelques secondes. Je vois qu'il y a un lit ou quelque chose sur la table là. Alors, à ta gauche, il y a effectivement une table avec un livre posé dessus. Et à ta droite, sur le lit, il y a une robe. Est-ce que l'un de ces deux objets me dit quelque chose? Alors, les deux te disent quelque chose pas rapidement. La robe qui est sur ta droite... C'est la robe que portait Alia quand vous l'avez lâchée au train. Et sur ta gauche, c'est une Bible. Et il y a un parchemin à côté. Il y a également quelques livres qui sont sur les étagères qui sont ici. Ok, je vais vite fait prendre le parchemin et regarder ce qu'il y a dessus. Ouais. Sur le parchemin... il y a des notes qui sont griffonnées dessus. Il y a 2 sortes d'écritures. Il y a une première écriture qui est plutôt belle, où il est écrit « Restez vigilants et priez pour ne pas céder à la tentation. L'esprit est bien disposé, mais par nature, l'homme est faible. Heureux, l'homme qui tient bon face à la tentation, car après avoir fait ses preuves, il recevra la couronne de la vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. » Et après, l'écriture change. Une écriture beaucoup plus dure, comme si quelqu'un avait vraiment appuyé énormément sur la plume pour écrire. Il est écrit « J'ai passé mon existence à combattre la mort, mais aujourd'hui, J'ai compris que la clé, c'était de l'embrasser pour renaître autrement. Je défie Dieu. Avec un point d'exclamation après. Fais-moi un jet d'intelligence. Tu as 70%. 72, c'est raté. Ça t'évoque rien de particulier. Ok, je prends le parchemin et je le glisse vite fait dans mon veston. D'accord. Annabelle et Morgane, vous passez la porte et vous rentrez donc dans la pièce. Morgane, tu repères immédiatement sur la droite la robe que portait ta sœur quand tu la déposais au train. Je jette un coup d'œil rapide dans la pièce pour voir si je vois pas autre chose que cette robe qui m'attirerait l'œil. Tu vois donc le livre qui est posé sur la table. Tu vois que c'est une Bible. Et tu vois un petit symbole qui est dessus. Ce symbole, il t'attire l'œil parce que tu l'as déjà vu quelque part. En fait, ce symbole, c'est celui de l'église Saint-François, l'église de famille auquel ta sœur et toi vous alliez. C'est une Bible qui provient de cette église. Je prends la Bible dans les mains et je commence à la feuilleter. C'est une Bible, tout ce qu'il y a de plus banal. Annabelle ? C'est une étagère qu'on voit sur le côté ? Il y a deux pans en fait. D'un côté c'est une bibliothèque et de l'autre c'est une espèce de penderie. Bibliothèque avec des livres, okay. Des livres dedans. Et tu vois au niveau des livres, en fait, ils sont tous bien alignés les uns à côté des autres et il y a un endroit où il y a un trou. Il manque un livre, visiblement. Donc je vais aller regarder la bibliothèque, je vais regarder les titres des livres, si ça me dit quelque chose. D'accord. Tu vois que, en fait, il y a, on va dire, deux sortes de livres. Il y a tout d'abord des ouvrages, on va dire, un peu classiques. Et y entrait à tous les domaines possibles. La religion, la philosophie, les sciences, la physique, l'histoire, la botanique, quelques livres occultes aussi, tous les rayonnages. Et puis, il y a une deuxième sorte de livre. Dans cette deuxième sorte de livre, d'ailleurs, se trouve un trou indiquant qu'il manque quelque chose. Tu vois des livres, en fait, sur lesquels il n'y a pas de nom sur les couvertures. Ah, sur les couvertures, pardon. Sur les... tranches. Sur les tranches, voilà, c'est ça, sur les tranches. J'en attrape un. Je regarde ce qu'il y a dedans. Tu prends un des livres et tu vois à l'intérieur qu'il raconte l'histoire du père Ralph Sanders, le prêtre qui est devenu fou après avoir tenté d'ouvrir l'église de Federal Hill, celui que vous avez interrogé dans les sous-sols de l'asile d'Arkham. Ce livre raconte l'arrivée du prêtre à l'église, comment il a essayé de l'ouvrir au public, comment il a fini par découvrir la bibliothèque cachée, comment il est devenu fou, comment il a rencontré un certain Brady O'Donnell et comment il lui a donné des informations pour récupérer le trapézoèdre étincelant. C'est toi, Annabelle ? Rapidement, du coup, tu jettes un œil aux autres livres qui sont là et tu te rends compte que certains de ces livres parlent de personnes que vous connaissez, dont vous avez déjà entendu parler. Il y en a un à propos de Richard Mock, il y en a un à propos d'Harvey Walters, le tenancier de la boutique d'occultiste, il y en a un à propos de Charles Harrington, le directeur de l'asile d'Arkham. Mais aussi et surtout, il y en a un sur Lucie Storm. Storm étant le nom de jeune fille de Lucie Folstom. Il y en a un sur Brady O'Donnell, son mari. Il y en a un sur Josh Folstom, père de Carl. Que faites-vous ? Le livre qui manque, c'est un qui ressemble à cela. Oui. Est-ce que Annabelle nous a partagé ce qu'elle a vu là ou pas? Bah, vous êtes à côté en même temps, vous la voyez regarder la bibliothèque. Oui, mais tous les détails que tu viens de donner sur les personnes, est-ce que nous partagent? Je ne sais pas. Annabelle? Bah... oui, en feuilletant les livres, j'appelle Morgane et Carl qui viennent voir. Je trouve des livres aussi qui concernent leur famille. Moi, je me dirige vers la robe qui est sur le lit. Je vais regarder s'il n'y a pas quelque chose de caché à côté ou en dessous, peut-être en dessous du lit, sous les draps. Elle est juste posée sur le lit. Les lits ne sont pas défaits. C'est comme si elle s'était, on va dire, déshabillée, qu'elle avait posé sa robe ici. Ouais, mais je regarde partout si autour du lit. La robe ici. Il n'y a pas quelque chose de caché. Fais-moi un jet de toc. On va découvrir quelque chose. 52%. 3. Très belle réussite. Tu trouves par terre un petit médaillon. Médaillon qui appartient à une sœur, ce qui te confirme que la robe, c'est bien la sienne. Ok. Carl, que fais-tu? Du coup, suite aux informations révélées par Annabelle, je vais regarder la bibliothèque. Je prends les deux livres relatifs. Les deux livres relatifs à Lucie et mon père. Annabelle te tend le livre qui parle de Lucie, la femme. Lucie Storm, de son nom de naissance. Tu te rends compte assez rapidement, en feuilletant le livre, que Lucie n'était pas une enfant comme les autres. Contrairement à ce que tu croyais, elle a été abandonnée quand elle était jeune et a été recueillie et élevée au sein de l'église de la Sagesse Étoilée. Tu te rends compte en lisant le livre que quelque part elle t'a été destinée, qu'il était prévu qu'elle te soit présentée, que votre rencontre était arrangée et que c'est sur ordre de l'église qu'elle t'a quitté. Ok. Ça va pas arranger mes affaires. Est-ce qu'il y a d'autres informations à l'intérieur? A priori, non. Et du coup, qu'est-ce qu'il y a écrit sur mon père? Alors effectivement, tu es extrêmement surpris de voir qu'un livre sur ton père, Josh, se trouve à cet endroit. Tu vois que, au niveau des notes que tu arrives à lire, que tu arrives à comprendre, que ton père a autrefois fait partie de l'église de la Sagesse Étoilée, mais qu'il a tourné le dos à l'église malgré son héritage, ce qui est écrit. Il aurait disparu et aurait été difficile à retrouver car il aurait changé de nom. Il aurait pris le nom de Folstom. Il a malgré tout été retrouvé et a refusé de se soumettre à son destin. Des mesures ont dû être prises. Il a donc dû être aimé. Une personne télécommandée quelque part, qui aura avoué plus tard que des voix lui parlaient. Les dernières notes du livre indiquent que, puisque l'Église a échoué avec le Père, il faut absolument réussir avec le Fils. Ok. Est-ce qu'il y a son vrai nom écrit? Tu vas me faire un jet de toc. Il y a quand même pas mal de pages. Et on va voir si tu réussis à le trouver. Tu as 60%. 7. Ton père a changé de nom parce que son véritable nom d'origine est Josh Bowen. Tu fais le lien immédiatement avec Enoch Bowen, le fondateur de l'église de la Sagesse Étoilée.